Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission The Footy Show. À mes côtés, notre ami et consultant Yachad. Bonsoir Yachad. Bonsoir Nitish et bonsoir les internautes. Alors, comment Yachad, comment tu connais, nous attendons nous un week-end et aussi la semaine prochaine, une rencontre de haute volée, une très belle affiche, notamment nous prenons en première ligue. Dès samedi à 15h30, l'ouverture de cette journée, Newcastle à la maison pour accueillir Manchester City, un petit peu contrarié avec les blessures de Rodri, notamment Kevin De Bruyne. L'autre affiche assez intéressante, samedi à 20h30, ce sera Wolves, l'antenne rouge, pour accueillir Liverpool. Et bien sûr, dimanche, le choc à 19h30, Manchester United contre Tottenham, un petit peu dans les 20, 22, 20s, les United. Et bien sûr, en Allemagne, samedi à 20h30, le choc, Bayern Munich, Bayer Leverkusen. Donc déjà là, nous pouvons connaître un petit peu la force de la force, Vincent Kompany. Et bien sûr, si Xabi Alonso et Bayer Leverkusen sont capables de compiter avec le Bayern, sa saison-là, quand on trouve le Bayern, peut faire une razzia depuis le début de la saison. Et bien sûr, nous prenons dimanche à 23h le derby de Madrid. L'Atlético de Madrid contre le Real Madrid. Le Real Madrid a une blessure très importante, celui de Kylian Mbappé, qui, à ce qu'il paraît, sera out pour les trois prochaines semaines. Oui. Et l'Atlético de Madrid qui peut jouer match en retard dès ce soir en déplacement Celta Vigo. Et bien sûr, Yachad, nous prenons la Ligue des Champions. Deuxième journée de la phase de Ligue. De tu m'évines bien champions. Vite. Hein? Assez vite. Oui. Et le choc, ça reste l'Arsenal qui peut accueillir le Paris Saint-Germain mardi à 23h. Sinon, moi, l'affiche qui fait plus intéresse moi pour sa Ligue des Champions là, la semaine prochaine. Aston Villa à la maison pour jouer contre le Bayern Munich. Oui. De trouver un petit peu le niveau. Unai Emery, quand il amène Aston Villa, nous prenons PSU. Est-ce que Aston Villa est capable? Déjà, Aston Villa finit ce premier match. À l'extérieur, oui. 3-0, si je ne me pas trompé, contre les Young Boys de Bienne en Suisse. Et bien sûr, nous prenons aussi la Ligue Europa, ce deuxième journée, notamment un affrontement United qui va se placer sur le terrain du FC Porto. Sinon, hier, elle fait une trouve la qualification d'Arsenal contre Bolton. Heureusement, on passe au Carabao, ça, non? Heureusement, on passe au Carabao, vous avez passé au Europa League. Non, Europa League, écoutez, c'est une petite surprise, le match nul de United contre Dédé. On n'est pas pour cause Bislo. Là, nous prenons encore l'occasion pour cause United au cours de l'émission. Nous rentrons directement, Yachad, dans le vif du sujet. La première ligue qui paye déjà en termes sa sixième journée. Et Newcastle à la maison pour accueillir Manchester City. Et Manchester City contrarié un petit peu, hein, Yachad, match nul à la toute dernière seconde, un but égalisateur de John Stones après un cafouillage dans la surface, deux buts partout. Et Erling Haaland toujours présent, Finn Murphy contre Arsenal. Et en EFL Cup, Carabao Cup, Manchester City finit gagné logiquement contre Watford, une équipe presque C. Et Newcastle, quant à elle, c'est l'équipe qui finit faire la mauvaise opération la semaine dernière, enfin, une défaite 3-1 contre Fulham. Sinon, ça, sans sa défaite-là, Newcastle, tu peux retrouver lui parmi les têtes d'affiche. Tu peux avoir 13 points sans sa défaite, même nombre de points que Manchester City. Oui. Et là, il n'y en a que 10 points. Mais une victoire de Newcastle aux dépens de City pour permettre à Newcastle de vivre à la barre des 13 points, même nombre de points que City. Ça reste, pour moi, un match très serré, même si sur papier, me pensais City favori, mais les absences de Kevin De Bruyne et surtout du maître à jouer Rodri. Oui, non, tout à fait raison, oui. Out. Ouais. Oui, non, tout à fait raison, Nitish. Déjà, me donne une indication de la cote. Newcastle à 500 roupies, le match nul à 410 roupies et City favori à 160 roupies. Donc, c'est un peu logique que City est favori quand nous guette ce parcours. En première ligue cette saison, il finit dans une seule. Il ne faut pas que tu fasses un match nul contre Arsenal. Ça aussi, il arrache
ça a un point là dans les derniers instants du match. Donc, mon guet sa football là, tu peux causer avec Couchval en même temps. L'équipe fait mal Non, c'est quand City met sa goal là, parce qu'il est façon qui est au état. Décision déjà qu'il prend de poutier Saka et mettre au coin défenseur pour passer en 5 et il défend pendant 45 minutes un bloc très bas. Nous trouvons City partie une belle option. J'ai une bizarre Seyman tire de loin, mais malheureusement, un corner qui pour moi partie bien un corner parce que c'est une faute juste avant qui s'aboule là. Un corner. Beaucoup polémique autour de l'arbitre. Hein. Même Et surtout, moi, ce qui me paraît le but de content Kadir Flory, à la fin du match, encore c'est Haaland. l'attitude de Lingalan vis-à-vis de Mikel Arteta. Il nous connaît, Mikel Arteta finit faire son apprentissage avec À City, ouais. Pep, ouais. Pep Guardiola à Man City. Donc, c'est un manque de respect. Il y a Thierry Henry qui finit très en colère, qui finit une déclaration pour dire à Lingalan qui, au Sénat, c'est une équipe qui finit pour 13 fois la Première Ligue. Donc, c'est une équipe qui est bien respectée. Et ces derniers temps, Mikel Arteta a fait un travail formidable. Mais revenons à Man City. Il éprouve une difficulté pour dominer au Sénat à l'extérieur. Là, dans la semaine, il domine Watford, DN. Bien sûr, il finit faire tourner. Tout comme au Sénat qui finit faire Oui, tourner dans impressionnant Carabao. Il Arsenal. est un joueur de second équipement, mais quand il a 16 ans. 16 ans et quelques, ouais. Donc, c'est plus jeune joueur qui finit représente au Sénat en professionnel. Mais Newcastle Nitish, c'est peut-être pas l'équipe qui joue le plus joli football cette saison en Première Ligue, mais là, il y en a 10 points. Si, comment on fait Costaud dire si, défensivement oui, à la si maison. domine Fulham, Liverpool deuxième au classement, Liverpool même devant Liverpool par exemple. Oui, Donc oui. c'est une équipe très solide, c'est une équipe qui, avec le retour de Tonali, qui peut faire énormément de Italien, bien, ouais. ce partenariat avec Bruno Guimarães peut montrer bien, Issa en forme, le jeune Gordon très en jambes en ce début de saison. Non, c'est une bonne équipe, mais. Et mauvaise nouvelle, à ce qu'il paraît, Alexander Isak, incertain Oui, pour ce match, hein, fort blessure au pied, probablement. ouais. Incertain, il y a aussi Steven Boatman et Callum Wilson qui se blessent depuis un moment, mais c'est surtout Kevin De Bruyne, Rodri, Ake, ces trois Pilier piliers. de l'équipe. Nous faisons trouver, en l'absence de Kevin De Bruyne, City a beaucoup de mal pour faire une transition vers Oui. l'avant. C'était un petit peu, Rodri, c'était un petit peu la tour de contrôle en milieu de terrain, mais Kevin De Bruyne, c'était le maître à jouer. Mais vous pensez, ça a deux. Écoutez, Kevin De Bruyne et Rodri, vous pensez, c'est pour titulaire de n'importe quelle équipe au monde. Définitivement. De n'importe quelle grande équipe, je Oui. pourrais dire titulaire. Mais quand on a ça, des joueurs importants, des pièces maîtresses qui pas là, certes, on a un grand joueur de classe mondiale, mais sans ça, démettre à jouer en milieu de terrain là. Moi, je pensais personnellement, City pour éprouve. City prenait la possession du ballon, 100%. Oui. Newcastle, comme à son habitude, Il il peut vous trosser procède en compte. par main de compte. Mais il pouvait une but sur le mur. Nous retrouvons-nous peut-être un petit peu la même chose qu'Arsenal s'est fait en deuxième mi-temps. Oui. Certes, Newcastle Non, pas pas plus que aussi bas. Arsenal, oui. Pas aussi Mais bas. il pouvait un bloc bas, mais il pouvait Oui. s'être en main de compte. Mais nous trouvons la difficulté de City quand une équipe Oui. fait un bloc bas. Vous pensez l'absence de Kevin De Bruyne et surtout de Rodri pour peser très très lourd. Si Moïna pour avancement d'un pronostic échade, Pour finir jusqu'au bizarre. vous pensez un match nul. Un match nul. Non, Moi, c'est un arc intéressant je à suis bien 400 content de euros. match nul la semaine ayant City et Arsenal. Oui, effectivement, Vous fin de nos raisons. pensez. Newcastle, c'est très 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 costaud à domicile surtout. Oui. Très très costaud. Il n'est pas pratiqué un jeu de football, il n'est pas un football flamboyant. Oui. Mais il a man joueur sur le terrain, écoute, c'est Ça man va faire la bagarreur, c'est un petit peu différence. ça à l'esprit britannique, là, hein, le fighting spirit à l'anglaise. Vous pensez, City, capable de but sur un mur, il n'est pas pour étonnement si Newcastle bat City. Je crois que Oui, un peu tough, mais non, bon, déjà, il a offert ouais. un code de méfiance, donc c'est une possibilité. Hein. Moi, pour jouer safe, je ne pourrais pas un beau film tu score dans un match en Et à savoir qu'un match nul entre Newcastle et Manchester City, pour faire les affaires de et Liverpool. dans le même temps, même Arsenal, qui prenait un match facile à la maison, Oui, mais c'est Liverpool le dauphin. Donc, nous concentrons sur Liverpool. Et ouais, nous connaissons qui pose un même match qui Villa, attaquait, c'est Liverpool. Ou bien on ouais. verrait bon, dit Liverpool, hein, vous pouvez faire les tours. Non, mais non, écoutez, c'est vrai, Liverpool nous profite de bonne situation. Si Il finit City ce sens à aller déjà paye contre là. Forest. Oui, mais Enfin, le encore fait très tôt. très tôt, le fait que City aussi finisse
deux points contre Arsenal, quand je peux penser que City pour faire une razzia à la maison, à l'Etihad, que n'importe quel adversaire est venu, City souvent prend les trois points. Mais toujours que City finit petit deux points à la maison. Et nous aussi, Liverpool aussi finit petit trois points. Mais là, c'est une occasion qui, si City jamais fait un match nul ou fait un faux pas à St. James Park, c'est bien sûr l'occasion pour Liverpool, Villa et Arsenal de recoller au classement, dans la mesure où Arsenal prenait un match facile de jouer à la maison contre Leicester samedi à 18h. Et Aston Villa, de son côté, il pouvait un déplacement assez correct, enfin plutôt tranquille contre Ipswich. Vous pensez, deux bankers sur papier, hein, Aston Villa à l'extérieur et Arsenal à la maison. Mais City dans l'obligation de gagner au cas contraire, Liverpool, Arsenal, Aston Villa pour tomber sur City et sur l'avance pour fun. Donc beaucoup de pression, plus vous pensez, du côté de City que Newcastle. Ce ne sera pas un match facile, surtout un match qu'on connaît à l'heure du déjeuner en Angleterre. Souvent nous, Liverpool, fin connaît. Souvent, une grosse équipe qui a pu jouer un match ouverture à 15h30, de peiné, gros soleil. Je vais manger là pour le listement. Et sinon, où est-ce que tu scores? Both teams to score, Nick. Et moi, un match nul. Mais moi, bien content au pronostic aussi, un match nul. C'est très tentant à 400 roupies. Et nous passe l'autre affiche qui paraît sur papier, le fait qu'il devait jouer à l'extérieur au Molineux Stadium contre Wolverhampton. Alisson toujours incertain, se blessure à la cuisse. Arveilleux, nous connaît, absent, fracture à la cheville, qui pourrait tourner probablement en fin d'année ou l'année prochaine. Mais côté Wolf, il y a une cascade de blessures, et notamment Totti a nourri incertain, mais beaucoup d'absents aussi. Mais c'est une équipe Wolverhampton très, très, très décevante depuis le début de la saison. 5 matchs, un match nul, 4 défaites, 14 buts. Mais pas trop forcément un portage ou la vignette. C'est peut-être l'antenne rouge de la Première Ligue qui fait un seul point. Il fait arriver à gagner, c'était contre Nottingham Forest. Pourquoi il fait un N, si je ne me trompe pas. Oui, mais à l'extérieur. À l'extérieur contre Forest. Moi, je peux le match contre Aston Villa, Wolverhampton, ce n'est pas une équipe qui défend, c'est une équipe qui jouait un joli football, mais malheureusement, il n'est pas pu arriver, trouve sa momentum pour gagner sa 3 premiers points là, et du moment qu'il est arrivé, Féali, il n'est capable de dire que Wolverhampton n'est pas pour rester dans sa zone de relégation pendant longtemps, parce que c'est quand même une équipe qui a énormément de qualité. Il a le soit attaquant Cunha qui paraît un bon joueur et qui paraît capable de tenir l'équipe là. Il a ce défenseur Mosquera qui peut réaliser une excellente saison. Donc, ce n'est. Je pense que c'est une question de temps pour qu'il se manque, trouve ce manque de repère parce qu'il est quand même pratique un joli football. Il est entraîné bien Zen. Il y a les qualités, mais malheureusement, face à Liverpool. Richard, en toute honnêteté, c'est peut-être le premier entraîneur et l'entraîneur d'Everton, Sean Dyche, qui pourrait être limogé. Non, déjà, quand on a une notification au potable. Maintenant, notification là, c'était Gareth Southgate. L'entraîneur d'Everton. Puis annoncé dans l'équipe première ligue. Je ne peux pas résister, mon bichin. Ouvrir la notification là, et je me trouve Everton. Je dis ça. Ça se place. Ça, c'est une équipe qui garde ça. Vous êtes bien entraîné. Ça, c'est ce niveau. Non, en toute honnêteté, je pense. Peut-être. Non, je pense. Chapeau là, trop large pour Gary O'Neill. Car O'Neill, l'effectif pareil. Il a un jeu international. Oui, bien sûr. Il n'a pas un jeu de qualité. Non, mais c'est quand même une équipe qui finit laisse ce sens aller. Mais comment vous pensez. Quand vous êtes ce match sur Coupe de la Ligue contre Brighton, pas mauvais du tout. Ce match contre Newcastle, pas mauvais du tout. Ce match contre Nottingham Forest, très correct, malheureusement. Vous rappelez, il réalise un bon match contre Chelsea, mais ce n'est qu'après qui Madueke est rentré, mais trois goals, boum, dans 10 minutes. C'est ça la différence. Quand vous pratiquez du beau football, vous avez un bon joueur, il est assez logique que vous pouvez jouer, vous pouvez scorer. Mais la différence, c'est que vous êtes capable de gérer. Oui. Vous êtes capable d'être solide défensivement. Vous êtes capable de gérer au moins un moment faible. Donc la tête ou faire une fois, capable de gérer à ce moment-là qu'il ne faut pas perdre 10 matchs. Mais c'est ça, mon pensée, moi, l'effet du manager O'Neill. Peut-être, mon pensée, avec un changement, enfin, nous peut anticiper, mon pensée, avec un changement d'entraîneur et avec l'effectif qui est Wolves, à ce moment-là, mon pensée que Wolves est capable
décoller. Donc pour Gary O'Neill. Non, favori avec Sean Dyche. Non, pour lui, il n'est pas à la hauteur. Pour moi, mérite beaucoup, un peu plus les temps pour faire ce preuve. Mais déjà, la première ligue, si on finit, il y a un retard de 7-8 points sur la 18e, 17e place. Oui. Ou pas même favori pour être relégué. Oui. Mais souvent, en première ligue, on trouve un entraîneur qui mal démarré de Limogé. Moi, je vois difficilement Wolves relégué cette saison parce qu'il quand même, entre Ipswich ou même Leicester, Palace, il y a 3 points de différence Nittich. Donc, 3 points, il y en a N. Donc, ça ne veut dire grand-chose. Wolves, mon capable de dire, ou peut-être par contre Liverpool, mais du moment où Marcin peut enclencher, il peut enchaîner les victoires. Parce que c'est une équipe qui a des qualités. Malheureusement, là, peut-être si il y a une lourde défaite contre Liverpool, ça capable coûte la peau l'entraîneur de Wolverhampton. Mais moi, je suis capable de dire que je suis certain, Wolves, pas pour reléguer cette saison. Non, nous espérons, hein, c'est une très belle équipe. Et à l'époque, on nous rappelle avec son entraîneur portugais, il y a une quantité de joueurs portugais. Pedro Neto, José Sá. Non, mais là. Neves. Jota. Ce Wolverhampton. Jota, là, j'ai une coquin, un cadeau. Banan, puis j'ai moi qui a fait une marie-marche. Pas mal. Banan, j'ai moi qui fait une marie-arcis. Ouais, il fait une reprise. Une reprise, et Jota met un tête. Mais un jeu qui était sa première titularisation en Angleterre, d'un match Coupe de la Ligue, qui partait dans l'intensité de la première Ligue. Qui prend le pays, 12 millions 11 millions, je crois, ouais. Style of the season, comment dire. Non, mais c'est un jeu fragile, très très fragile. C'est ça le truc, ce Valeur Marchand est complètement chuté. Oui. À l'Euro 2021, quand l'Italie, c'était probablement un des meilleurs jeux de l'Euro. Oui. Ce Valeur était presque 100 millions d'euros à l'époque, mais malgré 100 millions, il arrive dans les 15, 14, avec tout ça, trop de blessures. Mais c'est dire ici. Déjà pour les paddocks, plan une équipe comme Juventus, sans montrer où qui, à ce point, maintenant pas qu'à faire confiance. Mais vous pensez, si les joueurs comme a été joué hier contre West Ham, au fil des matchs, c'est pour progresser, mais c'est un jeu que nous retrouvons souvent, peut-être pas titulaire, mais souvent libre. Pour rentrer, il fait la différence. Non, c'est un jeu qui a des qualités. Ouais. Peut-être qu'il est pour commencer contre Wolves. Peut-être Liverpool aussi. Faut pas oublier qu'il la semaine prochaine, il peut y avoir un match à la maison plutôt tranquille contre Bologne en Ligue des Champions. Vous pensez peut-être l'entraîneur vous fait un petit peu tourner. En contre Bologne, un match tranquille. Nous voyons un match facile, mais un match quand on connaît Thiago Motta fait une quitte Bologne. Et Bologne, ce n'est plus la même équipe qui était la saison passée. Et puis alterne le moins bon en Italie, mais là vous venez jouer en Angleterre. Vous pensez, Liverpool pour vous faire le maximum de points, profiter un petit peu de sa faux pas que Stephen fait contre Arsenal là. Et la casse-tête de Arne Slot, c'est l'attaque. Le fait trouve Diogo Jota fait une marque de but. Nunez titulaire. Pour moi, le meilleur joueur du match, ça reste Cody Gakpo. Étincelant que Cody Gakpo. Et quand on connaît, il y a Salah, Chiesa, Luis Diaz. Qui parmi un des meilleurs joueurs de Liverpool depuis le début de la saison, deuxième meilleur buteur derrière Haaland. Non, c'est une véritable casse-tête là. Ouais, mais nous mettons Haaland là-bas, une place là-bas très haute. Oui. Mais derrière Haaland, il y a quand même un très très bon joueur derrière. Mais ça c'est ça la véritable casse-tête pour Arne Slot. Et à un moment, je suis Nunez titulaire ou Jota. Bon, écoutez, vous pensez, moi, Liverpool. Non, mais quand même, c'est milieu défense. Liverpool, il y a quasi ça, gros contre Nottingham Forest, ça, Nittich. Donc ça, il faut le faire en Premier League, 5 matchs, un goal encaissé. City s'est mis à attaque avec 13 buts, mais il est quand même fini encaissé 5. Ouais. Aston Villa fini encaissé 7, Arsenal fini encaissé 3, alors que Liverpool avec ce ça qui rend le slot, une fois, il finit prendre du vieux, il finit faire du neuf. Ok. Tu vois, il finit prendre... Il fait un servicing en Van Dijk. Il fait un servicing. Non, Van Dijk, Mania Monietti, je dis au début de la saison. Donc, il y a une saison, peut-être. Il paraît un joueur qui finit... Peut-être qu'il finit remettre lui-même en question. Oui. Motouli, c'est un Van Dijk un peu différent par rapport à la saison dernière. Il paraît plus performant, plus concentré, et moins de lacunes défensives. Oui. Et le plus important pour moi, c'est Konaté, bien être ménagé. Konaté, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs en Europe. Mais
Si, bien sûr, c'est un joueur assez fragile. Oui. Ibrahima Konaté, pour moi, c'est un. Oui, vous avez fait un choix. J'existe la Ligue, Ligue des c'est Champions, un pas plus. Qui peut aller très très loin, mais Libizin, Oui. comment dire, Ménage-li, parce qu'il est assez fragile. Oui. Pour moi, peut-être qu'il est capable, venant deuxième Varane, hein, la sanction de Varane, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel, ce Non, mais Ibrahima Varane, c'est Konaté. bien entouré. Real Ouais. Madrid, c'est Nasser Duran-Bosch, c'est Marcelo, tu vois là. Non, après, Mais c'est un grand me, c'est entraîneur, beaucoup mieux défensivement ouais. pour Alexander Arnold avec Arnold Slot. Ouais, Motro, lui, ouais. défensivement, beaucoup plus involve. Ouais. Après, il est plus concentré aussi, Oui, de manière oui. des défenses. Peut-être le système aussi Oui, qu'Arne Slot s'est parce apporté, que ouais. pour Arnold Slot, il est clair qu'il vient de latéral droite. Oui. Alors que Klopp, tu peux essayer en milieu de Milieu de terrain, terrain, un ouais. peu plus haute offensivement. Donc là, il settle sur la tête et me trouver qui défensivement sur la peau, très très important. Alors qu'il nous connaît, qui Alexander Arnold, il est plutôt un joueur axé vers L'offensif. Après, l'offensif. le nouveau système, le truc, c'est que Arne Slot, par rapport à Klopp, il utilisait avec un sentinelle Oui. et deux milieux box-to-box, Oui. mais Arne Slot, c'est plus un numéro 10 et deux milieux récupérateurs, Gravenberch et McAllister. McAllister, souvent, il projette lui, mais la plupart du temps, il donne à Gravenberch, Oui. coup de nez, Gravenberch aussi projette lui. Mais vous Mais pensez c'est que avec les ça, deux trois milieux milieux de terrain terrain, là. Arnold Slot, normalement liberté. Parce que Ouais. quand vous êtes Gravenberch, façon il fait sa box-to-box, ça, c'est peut-être pas une affaire qui. Peut-être ça te passe de l'esprit Jürgen De Klopp, Klopp, par ouais. exemple, pour servir Mais pour lui, déjà à Gravenberch la dans base, ça, c'est le football. Gravenberch à la base, pour lui, c'était pas un titulaire. Oui. C'était plus un joker que Oui. tu peux rentrer, mais le vrai potentiel de Gravenberch, quand le Bayern Munich qui arrache Gravenberch à l'Ajax, il Oui. ne faut pas oublier quelques années de cela, Après, finir rejeté par le rejeté Bayern, le tout Bayern, comme Chiesa, donc mais je ramasse un ouais. PSG qui ne résiste et qui peut pas fondre là. Non, mais le truc, c'est que si on a un entraîneur qui fait un type de joueur à gros Oui. potentiel, la Oui. confiance, développe ça, mais il fait trop man résultat. D'ailleurs, il fait Non, l'équipe, trop. vous Ouais. pensez que l'équipe technique de Liverpool, ce scouting network, fait ça très bien. Parce que plus grand l'exemple qui carvena, c'est Mohamed Salah, par exemple, qui finit rejeté par Chelsea, Chelsea, tu es prêt, dis Mourinho, par ouais. AS Rome, Fiorentina, même à un moment donné. Donc Et sans prêt, ouais. il finit transformé. C'est l'homme à tout faire pour Liverpool pendant, je ne sais pas moi, 5-6 saisons consécutives. Donc non, Liverpool, par rapport à ça, je suis très très fort. Et là, mon père Pouna, le 3 qui a le point de victoire de Liverpool. Pareil, pareil, nous unanimes là-dessus, Yachad. Et bien sûr, nous passons au choc de cette sixième journée de Premier League. Manchester United, Yachad, à la maison pour accueillir Tottenham. Et souvent, de ce type de rencontre-là, il y a pas mal de buts. Et nous capables, peut-être, attendre nous. Un match qui a beaucoup de buts aussi. Tu Pourquoi? connais Tottenham, c'est une équipe qui portait vers l'offensive. Oui. Manchester United, quand même, Mais vous pensez cette du bout de mine saison. United là? Au trafo du coup en termes de possession? Beau penser. Beau penser. Peut-être Manchester pour procéder pas mal de comptes à ce Parce que moment-là. quand Nitish, comme le ticket de football contre Crystal Palace, quand United fait 0-0, certes, nous fait un match nul, 0-0, mais en termes d'occasion, en termes de football, la façon qu'il boule là, tourner, c'était beaucoup mieux avec Kobbie Mainoo, Garnacho, quand fin de rentrée, et Zirkzee, qui m'ont pensé pour un jeu important, et Ouais. surtout avec le retour de Rasmus Højlund, qui peut-être n'est pas capable de supporter un peu mieux. Donc là, ce qui m'a capable de dire pour United, c'est qu'il est très très bien, c'est qu'il y a un joueur qui peut retourner. Harry Maguire sera de retour. Même si je pensais que Ten Hag fingait ce charnière central en De Ouais. Ligt et Martinez, Botinez, ouais. mais Ban Reto, comme Rasmus Højlund, même Mason Mount, c'est important pour faire tourner. Et malheureusement, contre Crystal Palace, ne pas finir arrivé à mettre un goal, nous finissons face à un grand Henderson, peut-être une pointe revanche au United, le fait qu'il. Vous connaissez, il est formé contre nous, Là, nous va vous nous pensez, Rashford peut réinstaller, se placer titulaire. Vous pensez? profit d'eux. Højlund. Oui, peut-être, mais il est là comment Ziyech on Højlund. accommode Zirkzee dans sa football là. Pour moi, Zirkzee, c'est un joueur qui a besoin de jouer derrière un C'est attaquant. ça, il vous remplace Bruno, vous Il est pensez? là Bruno pour jouer de l'un côté? Bruno, vous jouez d'un côté? Probablement, mais Probablement. ce n'est pas position côté plus senti, Ouais. plus confortable. Mais quand on a un Højlund qui peut retourner, Oui. Højlund, c'est un joueur qui pour moi a un gros potentiel. Oui.
Et Rashford, qui nous tout connaît, il a envie d'y aller, Oui. tantôt y aller, tantôt lui parler. Et aussi, l'une fin tout lit, hier, l'entraîneur a pas fait hésiter pour remplacer par Ojlun. Oui. Et mais seulement, tu remplaces Ziyech, même Maïnoud, si tu es le banc. Et moi, penser ça m'a joué que tu es le banc là pour retourner Oui. comme titulaire. Mais si on a Ojlun en pleine forme, et on a un choix pour faire entre Ojlun et Rashford, Oui. moi, penser. Pourquoi pas, pourquoi pas? Vous connaissez, quoi qu'il arrive, moi pensez qu'Eric Ten Hag peut-être pour très tenter dans les prochains jours, dans les semaines à venir, pour essayer de passer en 3-5-2, pour mieux accommoder son manager, il est capable. Parce qu'il y en a, ces derniers temps, il y a tout ce problème, c'était la La défense. défense, Là, c'est beaucoup mieux. On a De Ligt, on a Maguire, on a il y en a Martinez, les qualités on là. a Là, il y Euro en a les qui qualités. pourrait tourner. Donc, c'est quatre défenseurs centrales Le métier. de métier. Donc, il y en a option. Les cas passent en trois défenseurs centrales. Il y en a Mazraoui qui est très profil en wing-back. On a Dalot aussi qui est très offensif. Il faut capable de jouer avec Si Kobbie vous pas trompé, Mainoo. Dalot et Mazraoui finissent déjà évolué dans un système Oui, piston 1. piston là. C'est Donc, vrai. ça peut Ça très fait bien marcher, ça fait marcher. marcher ou mettre Kobbie Mainoo ou Gauthier en milieu de terrain, Bruno en 10 et peut-être Zirkzee un peu plus libre autour de Rasmus Højlund. Mais là où vous avez un sacrifice à faire pour Garnacho et Rashford qui jouent Peut-être mal dans le Diallo jeu. Je aussi. tente le jeu pour limiter. Mais là, casse-tête qui Ten Hag, il peut bien trouver une meilleure solution pour l'équipe là. Ce n'est pas forcément de faire plaisir aux fans Non, non, ou ça fait bien marcher, aux joueurs. l'exemple, pour moi personnellement, Garnacho, c'est un book qui mérite titulaire, sur 100%. place de Non, mais titulaire. tout comme Amad Diallo, sur ma performance récente, il mérite. Mais si on a un choix pour faire, vous pensez, où on a puissance mid-goal Ben, en première ou mi-temps bien faire même, mal il ne faudrait pas sacrifice. avoir fait un choix en deuxième mi-temps contre la seconde là, Définitivement. Walma, okay? Si vous réussissez à inscrire un goal en première mi-temps, Oui. vous beaucoup plus safe, vous capable, plus facile à gérer. De la Définitivement. mesure que vous pensez, vous beaucoup ma Garnacho, que ma Højlund pour biser d'après moi, démarrer. Oui, on a tout à fait Vous raison. Donc, pensez? c'est quand même Tottenham United, dès l'équipe qui pas au gaz Décoller, prépare. décoller bien, Ouais, pas qu'au Un peu le système décoller. rodage des deux Ouais, équipes, tous les deux équipes, c'est presque le même résultat. Cinq matchs, des victoires et nul, des défaites. Ils étaient à 7 points, les deux. Donc peut-être que là, Tottenham peut jouer à Zodi. C'est une Oui, vous idée. pensez Mais peut-être Tottenham peut jouer à Zodi, une c'est à équipe B, l'extérieur, ça, c'est à domicile, Tottenham ça. à la maison contre Karabakh. Karabakh, ouais. Donc les vous faites tourner, certainement, les points dans Azerbaïdjan, mes yeux de Karabakh, Akdam. Mais n'empêche, vous pensez que la cote déjà très serrée. United légèrement favori à 210 roupies. Légèrement. À 210 roupies. Le match nul à 350 roupies et Tottenham à 250 roupies. Donc, Ça marche nul la tente, moi, ça ouvre. J'aime Non, ça marche 5 nul là. gros, ça mène dans les Non, buts. ça marche nul là. Non, c'est vrai, ça marche nul là, les tentes. 350, nous, Vous Mambo pensez, Pal. les deux équipes vont marquer. Oui, ça Les c'est Caravans sûr NN, et comme l'année certain. dernière, titre de 2, la saison passée, vous Oui, pensez, c'est titre de 2, mais ça match là, si nous mettons both team to score, il m'a pensé les boucher. Ça, comme 140 pour là, c'est un both Allez, team nous to mettons les score. 150. Est-ce qu'il vaut la peine alors qu'il United descend 10 au pays? Nous, vous pensez qu'il United nous besoin un match référence, nous besoin dominer un adversaire Détail. de taille, enfin pas de taille. On n'est pas Non. parce que nous mettre de côté Les City, champions, Arsenal, pas les champions, qui les champions? Non, on peut Il y dire a peut-être une équipe qui n'a plus les beaucoup les champions potentiels. d'Angleterre, vous mettez moins des champions. Allez, Nutia, Liverpool, Arsenal et City. Oui. Mais en bas, ça, trois là, vous pensez à une équipe comme Tottenham, United, Chelsea, ils Oui, tiennent tout de près. exactement. C'est ça, Donc, c'est nous besoin un match référence contre un adversaire de ce Un calibre-là. potentiel Big 6. Allez, voilà. Un potentiel qui termine dans le Big Oui, 6. Allez. donc nous besoin et c'est l'opportunité à Donc, domicile. on peut Road Diamant Manchester pour battre Non, Tottenham. mais c'est ce qui m'a dit, vous prenez 6 points de victoire de United Nitish. Parce que Me pour déçu moi, avec c'est. Non, United, ça qu'il fait hier, surtout. certainement, grand matin, comment me lever, me trouver un camarade posté. Today is 22. 26 day. Comment me lever, vous avez trouvé une affaire comme ça, au Facebook. Pas facile. Non, Tottenham et Achat lui aussi. Non, c'est la déception, mais moi, je me trouve beaucoup, beaucoup de choses positives face à Crystal Palace. Et si nous build ce momentum-là, bien sûr, qu'on parlait, c'était à l'extérieur. Là, nous pourrons à domicile, nous pourrons dans le support du public. Et nous avons mis de côté ce match raté contre Twente là. Et nous rebondit. Et nous avons les qualités. Et nous avons un joueur qui peut retourner, comme on peut dire, où défensivement, c'est beaucoup mieux
avec Delitt, Mazraoui, Martinez. Et là, finalement, nous trouver qui s'accate là puis enchaîne bas de match. Donc, ce sera certainement s'accate là qui pour titulaire Oui, cette mais saison en attendant l'Euro retourné. de l'autre côté, il y a Charles. Non, mais il n'a pas Ougarté, mais nous, on ne peut pas croire qu'il est au papier moins beau qu'il est un homme. Non, vous pensez, c'est deux équipes qui tiennent de De près. près, Quand de vous très, êtes très près. l'effectif de Tottenham, Oui. l'équipe de Tottenham n'a rien à envier à celle de United. Certainement. Tottenham, sur l'effectif, c'est Sauf quand qu'il y a même. une équipe qui a beaucoup de trophées, il n'y a pas de trophées du Oui, tout. mais valeur du jour. Nous prenons en gros Oui. l'équipe de Tottenham, c'est des internationaux en puissance, un jeu de Oh, qualité. United, non? Non, si, ça, à cause de ça, je veux dire que je tiens Allez, allez. de près. Bon, attendez de nous prendre le chic. Ok, vous avez De très victoire de près. Mais Tottenham. si United, pour. Vous pensez que l'identité de United, nous sommes déjà dit à plusieurs reprises, dépend du style de jeu Non, mais pour le si. moment. Non, on ça, mon point Mais d'affaire, quand le tu pouls. as parlé, ça c'était un match. Si Oui. je me tournais un deuxième match, c'est que nous continuons le ce football-là, que United finit tourner Oui. énormément. Boulain reste Ouais. tourné, Mais Benzema a beaucoup nous moins de bien faire touch. ressortir que Crystal Palace aussi, tu laisses le ballon plus à United. Mais là, si United pour décide, si nous peut dire que Oui. United pour décide pour prendre la possession du ballon. Oui. D'accord, hein? Nous bien. Mais Comme il t'en rouge en de pôle l'autre d'attaque. côté, ça, l'attaque d'Aston Villa là, c'est un joueur très très fort vers l'avant. Par exemple, il y a deux très bons passeurs, Maddison, Oui. Heung-Min Tous les deux Son. sont Que j'ai été, je Nous pouvais mettons mettre au poste, tous les deux sont non, pas long pire. ball. Manager comme Kulusevski, le jeune Johnson, c'est très rapide Oui. vers l'avant. Et Dominic Solanke, Qui fait une boxe au qui premier finit but. marqué, il est très adroit devant le but. Mais attention, hein, même comment ça s'appelle, Timo Werner, Timo l'Allemand Werner. lui aussi, c'est un joueur qui projette lui. Oui. C'est un joueur qui est plus une décevoir en Angleterre qu'il était en Allemagne. Mais, Mais ça, c'est un peu mon attaquant préféré. vous pensez, moi, attention qu'il y ait United derrière, de retrouver ça va être un compte de Oui, c'est aux Tottenham. lectures. C'est aux lectures, Nitish. Je me connais au Attention. Vous pensez, pronostic. Match nul même là-haut. manière plus facile que United pour moi capable de gagner ce Laisse match-là, Tottenham. donne Tottenham Je la compte. possession du ballon et Non. Manchester United a un joueur très très fort en contre-attaque. Non. Vous pensez que Ouais. Mais à la maison, vous pensez, Ten Hag, il ouais. arrive là pour prendre ma décision. Et Moi, vous s'il y a une pensez. philosophie football, il peut bien mettre ça en place et il bien faire ce qu'il United. Si United peut aspirer à donner une équipe comme à Tottenham, possession de boule, pendant 70-80 minutes de football, Nitish, nous ne pouvons pas progresser jamais. Mais est-ce que c'était Si nous là? pouvons contre City ou Arsenal, Non, mais pardon, sorry, d'accord. me coupe, si nous pouvons contre City ou Arsenal, ou bien donner une autre possession de boule, ça, nous d'accord, parce que c'est un adversaire avec lequel nous ne sommes pas capables Arrive à ce niveau-là pour arriver à le ce moment, niveau-là. ouais. Mais par contre, Tottenham, c'est une équipe qui même niveau avec nous, peut jouer à domicile, ou bien make un statement, ou bien capable de dominer ce match-là. Donc si United rétrocède en compte et donne possession de Tottenham, mais jamais, United pas pour progresser, Nitish. Ou Mais bien est-ce capable que de vous dominer pensez, l'adversaire. Manchester? Qui plie pour autant, ou style football, ou soit gagne 3 points. Ou bien jouer brillamment et Donc, vous préférez que Manchester prenne la possession du ballon, Mais parce qu'il a les qualités fait pour un le joli faire, Nitish. football, mais il fait un match nul, ou les joueurs qu'on attaque, ils gagnent les trois Non, nous, points. bien, Hein? si nous jouons un joli football, qui fait nous avoir gagné? Mais contre Nous, Palais, ce qui n'est arrivé, ce n'est nous pas avons les capable, c'est qualités. ça, vous pensez. Mais là, c'est là. Vous pensez Vous personnellement, pensez au téléphone, après ce match. en toute honnêteté, Vous faites un petit coup au téléphone, après ce match. Je voudrais que pour les fans de United, Oui. me penser avec Ten Hag, il n'y a pas l'avenir. L'avenir, ce n'est pas avec Ten Hag. Moi, personnellement, vous pensez l'avenir. Vous pensez l'avenir. L'avenir, pour moi, ce n'est pas avec Ten Hag. Peut-être, Gareth Southgate peut-être. même. Non, 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 non. Vous pensez, il est un super entraîneur Thomas sur le Tuchel, banc. C'est Van Van Nistelrooy. Nistelrooy. Si nous trouvons Arne Slot, fin fait ses preuves Oui, lui, je fais que ça la avec dernière fois. Feyenoord. Nistelrooy est champion avec le PSV Sans Eindhoven. comment dire. Pourquoi pas donner la chance à Ruud van Nistelrooy? Leslie, personnellement, vous pensez Ten Hag, peut-être le chapeau trop large pour lui pour entraîner United. Oui, il fait bien à l'Ajax. Non, vous pensez personnellement, il n'y a pas d'avenir avec Ten Hag. Non, mais écoutez, Mais Nistelrooy, ouais. heureusement qu'il sa vidéo là, pas pour passer devant Eric Ten Hag, ou bien décourage Bouglard, mauvaise qualité. Non, Linguette, tu sors les temps hein, pour faire ce Non, preuve, mais. Non, Charles. écoutez, Non. Bodin fait confiance en début de saison, fin de nid
l'enveloppe qu'il a besoin, finir faire un recrutement, finir ses Le vestiaires. nombre d'argent qu'il a dépensé, Non, tellement. non, là c'est the final option qui Pourquoi tu veux dernier chance qu'il a pourtant Ruud gagné. van Nistelrooy être en United? Peut-être il a besoin gagner en expérience encore Mais parce qu'il qui quand tu t'es gagné en non expérience, hein? en tant D'une fait que champion, d'une fin domine en en tant que Smith manager. en Hollande, Là, oui, non, là, c'est ça. Hein? bon, écoutez, Hollande, mais Ten Hag fait champion Hollande pendant mes Ajax au Mais semi-finale de la Ligue des Champions, Nitish. qui t'y plaisait, bizarre qu'il y prend depuis Ajax, il prend, il prend tout. Comme il est grand Mohamed entraîneur, Kudus, qui t'y plaisait pour depuis Ajax, le meilleur joueur il a de. grand ça Il prend entraîneur. Anthony de la place Kudus, pas Man United. Comment tu appelles ça entraîner? Tu peux entraîner Everton, Ideo, là, Ronald Hollande, Koeman. comment il ne finit pas de café, non, Ideo. Mais la jeune génération en Hollande, les Arne Slot, des Ruud van Nistelrooy, me penser, moi personnellement, Ruud van Nistelrooy, ça que j'ai fait avec le PSV Eindhoven, il fait détrôner l'Ajax, Oui. détrôner le PSV Feyenoord, mais l'assistant de Ten Hag, me penser, ce sera Non, pas pour longtemps. Longtemps. c'est certainement pour qu'il m'aille là en tant que B. Certainement, il a un plan pour lui dans l'avenir, mais est-ce que je ne suis pas capable de mettre pression sur Erik ten Hag non plus, Nitish? Et la pression, Loli. Non, avant saison commence. Début des saisons, il a pression, Loli, Nitish. Hein? Non, il est Et arrivé Ten pour lui Hag? deliver the goods, mais comment me résume ça affaire là? Si United pour laisse possession de Ah, t'es balle bon, à ouais. Tottenham, c'est un mauvais statement que United peut faire, qui de me penser qui dimanche, il a les moyens, les qualités pour essayer de dominer Tottenham tout en gardant le ballon et jouer un joli football, pareil comme on a fait jouer contre Crystal Palace. Donc de ce fait, victoire de Manchester United à 210 roupies. Je suis très confiant. Moi, personnellement, je suis bien content de Bofetim Tuscou, mais pour un pronostic, je parle pas un match d'euro. D'accord. Toujours les peines défaites pour United. Non, Non, mais un ou match d'euro. habitué pronostic contre United. Non, mais là, Ça on ne peut pas me dire que United peut non, ça l'emporter. me fait ni chaud ni froid, Ça, Nitish. vous pensez un match nul contre Tottenham actuellement? Non, non, non. Allez, nous finissons avec la Première Ligue. Oui. Ça Right. m'étend rendu Première Ligue, là, non? Allez, nous quittons la Première Ligue, Yeshad. Oui. Nous allons faire un détour en Allemagne. D'accord. Right. Et nous te connais, la saison dernière, le grand Xabi Alonso, avec ce Bayer Leverkusen-là, Champion qui domine, en étant invaincu. invaincu. Les fines fins affaires qui, même le Bayern, Pas fin de faire, ça met. pas fine faire. De grands Bayern de Guardiola, Ancelotti, Les Jupp Heynckes, Heynckes. entre autres. Xabi Alonso fait une refuse, une offre alléchante devant un grand club en Oui. Europe. Pour lui rester avec Leverkusen, pour lui répéter, essayer de répéter sa saison et aussi faire bien en Ligue des Champions. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que le Bayern Munich fin prend un entraîneur, Vincent Kompany, qui entraîne Burnley, fin fait Burnley monte Relégué. en Première Ligue et fin relégué. Et pour lui prend un risque pareil, Oui. pensez le board du Bayern, Non, il te connaît. c'est un peu ADN de Bayern. Hein, Hein. il est tout le temps. Roman Reich nous rappelle avec Mais Nagelsmann, il fait ça, hein, un entraîneur très ouais, jeune. très, très, très jeune, effectivement. Et quand on trouve la saison que Kompany peut faire avec le Bayern, Il peut écraser pas, tu on peux peut venir. retrouver un Bayern quelques temps de cela, Oui. que Harry Kane, pour une bonne pensée, c'est de continuer ça très bien, pour une soulier d'or européen, Oui. logiquement, à moins que Haaland décide lui aussi de marquer un triplé en Ligue Oui. des Champions, entre autres. Mais ça Bayern là, il est impressionnant, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, où elle gagne un match 9-10 contre. Vous voyez, nous pas même une équipe en Ligue des Champions, Oui. mais où une visa termine premier dans le pays, où fin termine dans le Et top 3. surtout au recrutement qui Bayern finit faire, il n'est pas fini recrutement store, il finit ce dé joueur qui finit acheter en priorité, c'est Palhinha De en Fulham. provenance de Fulham et Olise Michael Olise, ouais, Crystal en Palace. provenance de Crystal Palace. Donc c'est certainement des joueurs clés pour le système qui vient son Compagnie, ouais. panier envie d'implémenter au Bayern. Donc ça peut marcher très très bien. Il y en a des armes de qualité, même sans Olise et Palhinha, seule équipe qui peut faire bien, peut-être Ouais. pas aussi bien. Mais le résultat, Nitish résultat, il domine Werder Bremen 0-5, il domine Holstein Kiel 1-6, à l'extérieur, il met des matchs, il met 11 goals. Donc offensivement, c'est du solide. Il domine Fribourg,
Donc, l'ON s'en fout cette saison. Peut-être qu'il est même pas parti pour casser le record de Bayern Leverkusen. Nous connaissons les goals, hein, parce que la Non, saison. non, Parce c'est que vrai, Bayern en Allemagne, c'est le suprême ici, ça. ouais. Là, c'est de la référence, La là. référence. Alors que Bayern Leverkusen réalise une bonne saison, enfin, peut-être qu'il est confirmé, mais tout en éclatant. Tout man record qui est capable de venir en Allemagne. Donc, et Bayern Leverkusen nous rappelle qu'il finit sa première défaite lors de ce deuxième match. La Ligue en championnat sous l'ère de Xabi Alonso, dominé par le Red Bull Leipzig Leipzig, à domicile. domicile, ouais. Des trois Mais Ligue Abarthé. sa défaite du Bayer Leverkusen, elle paraît au début de saison surprenante. Oui. Mais quand il enchaîne match 7, il finit gagner, mais beaucoup Oui. de matchs dans la douleur, Oui. gagner dans la Et tout douleur. le temps, j'ai l'impression que c'est sur l'arbitre, tout le temps vous Ouais. trouvez Leverkusen met un goal 89, Ouais. 90, il arrache. Peut-être que Manzuela, c'est un fighter, donc tant que l'arbitre pas soufflé, fini, je vous mettez. Et ça, c'est un peu le caractère de Xabi Alonso, il nous rappelle, il est tout le temps un fighter. Il a tout le temps, quand il est Liverpool, même Real Madrid, 90 minutes, où tout le monde a coupé grade Manzuela, puis galoupé. Donc c'est un peu ça qu'il finit de transmettre à ce Manzuela, peut-être, et qu'il est réfléchi. Quand Bayern Leverkusen, puis je trouvais ses caractères un peu de Xabi Alonso. Donc ça, c'est une bonne affaire. Mais Il sur le va. football total, Yacha, Oui. oui, c'est vrai, on a tout à fait raison. Il n'est pas pire pour attaquer, Oui. mais il n'est pas pire aussi pour prendre un but. Oui. Parce que l'issue philosophie, c'est vous vous amorquez plus que Oui, l'adversaire. oui. Même si vous encaissez, Oui, mais vous oui, vous amorquez oui. Il a plus. raison parce qu'il C'est à domine cause de ça, c'est Wolfsburg ça. Ouais, 4-3. ouais, ouais. Quand il est battu au Leipzig, c'est D3. Donc il est tout le temps là. Mönchengladbach, pareil, Pareil, D3. pareil. Le premier match de la Ligue. Mais écoutez, c'est un joli match. Hein. Il y a Harry Kane en forme. Quand nous guette tableau meilleur buteur, Harry Kane 5 goals, 4 à 6. Donc, mais pourquoi pas tout? Pourquoi sans l'année là, PSG, pourquoi on peut Tout s'y à moins, gagner tu peux pour trois faire goals là? en Ligue des Champions. Oui. Ouais. Pourquoi Mais sans l'année là, Leipzig gagne ça pour la faire? cote l'intéresse, moi, Yéchad. Donc, la Grand cote, favori, Bayern. oui, pas grand favori, mais Bayern Munich à domicile à 160 roupies. Le match nul à 400 roupies. Et Leverkusen à 410 roupies. Vous Donc, pensez que c'est le banquier du week-end Bayern Munich. pour moi? Vous prenez ça risque, Ouais. hein? Oui. Yéchad, guette l'effectif du Bayern Munich. Oui. Au fin d'y Non, aller, mais un mais gros recrutement. ce n'est que là, que maintenant, qu'il dit pour une en face, un adversaire qui est Oui, capable de tester comme Penny, là. tout à fait, tout à fait. Ben, il est récemment, c'est Get quoi? Dès qu'il est mini dans les tiges. ça à l'effectif, là, Yachad. Michael Olise, Il n'est dernier pas pour match, rien de stylé, indiscutable, là. de ce dernier match, il est l'homme du match. En Ligue des Champions. Contre le Wydad, Oui, oui, en oui, oui, championnat. oui, oui. Right? Jamal Musiala, Kingsley Coman, Harry Kane en attaque. Quatre Oui. super joueurs en attaque. Kimmich, Pavlovic, en N'a milieu brillé même pas la défensif. place pour commencer. Astier nous vient le semaine remplaçant, il a un remplaçant de luxe, Oui. Yachad. Serge Gnabry, Léon Goretzka, Le roi Sané. Guerrero, Thomas Müller, Leroy Sané, Palinha, Oui, un bizarre. Matistel, le jeune français Oui. prometteur. Non, mais ça, l'effectif du Bayern, là, le fait qu'il est Goretzka. basé à l'Allianz Arena. Le français tel qui a un bon joueur. Matistel, c'est Ouais. ça. C'est un super effectif pour le championnat allemand. Oui. Mais en Ligue des Champions, ça, nous proposons là dans les semaines à venir. Vous Oui. pensez, moi, le Bayer Leverkusen pourrait des difficultés cette fois-ci à faire un Non, mais en tout cas, moi, résultat capable de dire, oh, Bayern. il pour un joli, joli match. Parce Capable pour les équipes vont marquer, quand vous nous pensez, ouais. guette Xabi Alonso, quand il décide pour rester à Bayern Leverkusen, il finit de demande ben, l'assurance à ce board qu'ils n'ont pas pour vendre ce meilleur joueur, ce meilleur 4. Donc, de ce fait, les Grimaldo, les Tard nous connaît, il est en fin de contrat, il finit qu'il n'est pas pour prolonger, mais il peut rester la cause à Bialonzo et peut-être qu'il peut engager avec le Bayern Munich Ou le Real Madrid ou le aussi Real qui Madrid joue là, en ouais. fin de saison. Mais quand vous guette Solani Noyer, il est pareil, ou il y a les Grimaldo, ou il y a Zaka, ou il y a Florent Louis, ce qui peut réaliser une saison exceptionnelle. Peut-être qu'il Non, n'est pas c'est aussi vrai. décisif qu'Harry Kane, mais il est quand même fini de mettre 4 goals, il fait des passes Le match dans décisives. le Donc, match, Florent Nouès d'un côté, Jamal Musiala de l'autre Ouais, côté. donc Ouais. c'est. Non, c'est pas un joli Non, match, vous pensez. une affiche de gala. Non, c'est un match à ne Hein. pas rater Ouais, pour Manamater, Et donc au non. pronostic, Echad. Moi pas, Moi, moi pas. Toi, pour prendre le risque, mon vous Dieu, pouvez le dire Bayern le. Munich, pour moi, c'est le banquier du week-end. Non, non, non. Pour Loin, moi, 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 pour moi, très, très oui. loin Pour moi, oui. avec vos pronostics, Nitish. Leverkusen, moi, très fan de Xabi Alonso en tant que ce main management qu'il fait. Moi, très, très fan de Grimaldo, de Wirtz et de Bayern Leverkusen, en gros. Et moi, bon, both teams to score.
C'est bon, c'est trop cher parce que très souvent en Allemagne, on doit team toujours très mal payé. Bon, pour un match over 3,5. Hein, je D'accord. pense qu'on a énormément de buts et over 3,5, c'est un match que tous les équipes plus qu'au 1 ou bien des goals. Donc pour moi, c'est un match que pour un minimum 3-4 goals. Donc over 3,5, c'est un très bon bet à 210 roupies. Donc moi, c'est over 3,5. Mais bon pas pour prendre le risque pour éliminer Leverkusen aussi vite comment on peut faire un tif. D'accord. À savoir que au classement, le Bayern premier, il fait une fin sans faute, il a Oui. 12 points, une différence de plus 13. Le Bayern Leverkusen second, 3 points de retard sur le Bayern avec une défaite qui est différente. Oui. Donc, une victoire de Leverkusen pour permettre lui coller Récolte. avec le Bayern, mais toujours Oui, deuxième en avec la termes de différence de différence. but. Par contre, une victoire du Bayern Oui. samedi, ce sera déjà 6 points d'avance sur Oui, non, elle est là, Leverkusen. mon copie, elle est là. Parce que 6 points là, ça va bien, n'est pas facile Pas pour facile avancer. pour toi. Mais je pense qu'en Allemagne, ce n'est pas différence de but qui comptait en Italie. Je pense que c'est confrontation directe. Reste à confirmer. Je pense qu'en Allemagne, c'est confrontation directe qui ça élément Si, type si, on oui, a décotage. même nombre de points Oui. au final. Oui. Ok, d'accord. Donc, over 3,5. Over 3,5, je me Ok. partage ça match des 3-3-D, moi, on Ok. connaît Pour Leverkusen. me maintenir, vous pensez, pour moi. Quand vous avez 4,5, tout si man pour y a envie d'essayer, Ok. pour Six and encourager, above. vaut la peine. Non, vous avez 4,5. 5 goals payés, Allez. Nitish 3D. D'accord. Moi, vous pensez personnellement. Allez, Allez, on nous dit disons, Benke, ouais. Benke, 160 roupies, un beau Benke, Nitish. Là, que ça nous colle. Collier Oh, au Manchester. Colle au Liverpool. Manchester. Non, ça ouvre ici. Maman qui dit Manchester gagné. Ou on dit drôle, non? Non, allez. Nous finissons l'Angleterre, nous finissons l'Allemagne, nous en Espagne, Yachad, côté le derby. Le derby de Madrid, Real Madrid, Atlético Madrid, à savoir que ce sera l'Atlético Madrid à la maison Ah oui. qui va accueillir le Real dimanche à 23 h. Et un match très très important. Et surtout dans la mesure que l'Atlético de Madrid est un match qui va jouer ce soir Oui. en déplacement sur la pelouse du Celta Vigo. Donc, une victoire de l'Atlético de Madrid ce soir, Yachad. Capable permettre à l'Atlético de Madrid de venir à 15 points et 2 points derrière le Real. Car nous Oui. connaissons Barcelone Pécheur vol sans et faute. Hein. débat. Cette match, cette victoire, 21 points avec un super Lewandowski et aussi le jeune, comment s'appelle? Lamine Lamine Yamal. Yamal. Ouais. Et là, ce sera le match qui, me pensait, pour déterminer un petit peu qui sera le challenger principal du Barça avec ça, l'avance les fins prend là. À noter que si c'était une défaite de l'Atlético, Oui. l'Atlético prenait un sacré retour, le Real est Oui, de là, il peut vous en aller top 4, là. top 4. Par contre, une victoire de l'Atlético de Madrid est capable de permettre lui espérer à taquiner Oui. le Barça pour le titre, un match capital, un enjeu capitaux. Et avec la blessure de Kylian Mbappé, Oui. qui Non, est mais quand assez même, ça a quand même barré. Mbappé, pas Lionel Rodrigo. Mais vous connaissez, Nitish, Atlético Madrid, ça m'a donné l'année là, c'est pas. L'Atlético Madrid de 2017-2016, Ouais, quand ouais. je peux faire ma finale de Ligue des Champions, vous avez l'impression que Diego Simeone réinvente un peu. Nous connaissons, il est très très compliqué parce qu'il stick to ce style de football, très défensif, procès d'en Oui, compte. oui. Ça, c'est son identité, mais peut-être qu'il a une nouvelle génération de joueurs qui a fait ça avec parce que ces derniers temps, est-ce qu'Atlético Madrid finit faire mal recrutement qui est capable. Oui. Conor Gallagher, au bout d'un mois, Alvarez. oui, Avec une somme astronomique qui n'a 90 millions, oui. Alvarez, 50 millions, Conor Gallagher. Mais, Nitish, avec Gallagher, avec. Allez, Alvarez, peut-être, oui, il finit tout avec City, il finit Coupe du Monde, Copa América avec l'Argentine, oui, c'est une étoile montante. Nous, j'allais comme ça. Il est encore très jeune, ça a 23 ans. Pourquoi il y a Alvarez, Alvarez. ouais. Mais Conor Gallagher, 50 millions en Espagne, je trouve ça. Très cher à payer. Bon, écoutez, alors que Real Madrid, les construisent une deuxième galactique des points zéro, même 3,0 est arrivé là. Des points zéro là, c'est Bale, c'est un Bale Benzema avec Ronaldo, non? Là, avec Mbappé, Non, mais un joueur aussi, Bellingham.
Vinicius Junior, c'est Galactique 3.0. L'Atlético aussi fait une mise un petit peu sur un jeune très prometteur, un buteur norvégien, Alexander Sørloth, qui, pour rappel, la saison 2023-2024, avec Villarreal, c'est un joueur quand même qui met 23 goals. Oui. Et il finit à Stéli, Mais ce qui certes, en est six le cas. matchs, il met un seul goal, mais deux assists. Mais lui aussi, il finit un petit peu, me penser, ce Non, mais est-ce qu'il y style a qui ce c'était. stade de ce corps, il est capable de compter avec les Mbappé, Vinicius Junior? Peut-être pas, mais Ben. en Liga, il fait ses preuves pour mettre Oui, 23 goals mais d'accord, en mais en Liga. face, nous, Ouais. parce que Vinicius, Non, non, c'est Bellingham avec vrai. Mbappé, c'est Mais peut-être dans 5 meilleurs joueurs au monde au actuellement. monde, moi, tout à fait Si tu es dans d'accord cette avec vous. place. Donc. Mais dans la mesure que me penser, moi, le fait qu'il ne peut trouver un Griezmann, il peut être Oh. relégué sur le banc Oui, au profit de non, sa mais main de il joueur n'arrive rien, il n'arrive rien, comme à Nitish. Sørloth, entre autres là. Vous pensez, il y en a quand même qualité, ce Atlético Madrid, parce qu'il joue à la maison. Le truc, c'est qui inquiète moi, c'est que, vous connaissez, l'Atlético de Madrid peut jouer cette année-ci en 5-3-2. Ce trois défenseurs, c'est Axel Witsel, qui est le milieu de terrain, reconverti en central. Azpilicueta, qui est du côté latéral, Oui. il est parmi les trois Tous les défenseurs deux tontons là. central. Et Mandava. Des C'est tontons là donc. un inconnu. Mandava là qui est assis là. Mandava, c'est un joueur qui m'a déjà beaucoup été sorti, au Fugaïso qui achète, c'est un joueur en provenance de Mozambique. Un Mozambicain qui peut jouer à Les Lille et qui est aussi dans mon équipe de jeunes de l'Atlético de Madrid, mais il est titulaire ces derniers Oui, temps. donc c'est un jeune. C'est un joueur qui a 30 ans. Reinildo Mandava. Non, mais allez, dis-moi Ouais. un coup même. C'est ça, c'est Aspi la non, défense qui inquiète dis-moi moi. même Azpilicueta, Axel Witsel avec Mandava qui pourrait être Vinicius C'est Junior, ça. C'est Rodrigo ça qui avec m'a dit, Bellingham oh, là. c'est la défense. Sauf qu'il y a un Moi. des meilleurs gardiens au monde, Yann Oblak, mais c'est sa Oui, mais défense-là est-ce qu'il tu sais Libukav? qui inquiète moi. Libukav, c'est. Raison pour laquelle, bon, c'est Non, moi, mais tu parles. Real Madrid, pour moi, favori Non, pour mais ça. légèrement favori, mais déjà où la cote là? Non, non, non. Mogashok, parce que moi, je me disais au départ, tu pourrais prendre un Serré. match nul. Ouais. Mais quand nous guettons, la cote là bien serrée. Au fait, moi, tu peux prendre aussi un match nul avant que vous diriez sur la ligne. Là, nous, hein. Là, Non, non, c'est vrai, ouais. moi, je me mon banquier Real Madrid là. C'est pareil, pareil, moi tout à Atlético fait d'accord. Madrid, 260 roupies, le match nul à 320 roupies et le Real à 230 roupies, Nitish. Là, tu peux aller trouver un Atlético Madrid, tu peux aller mettre Park the Oui, Bus, là. Pogba, ben, ça Là, 90 minutes. Là, Park des points à des numéros 6 qui the vous bien Non, mais solide. bon, c'est ça, Atlético Madrid, là, pourrait beaucoup de difficultés. Oui, moi, tout à fait Pourrait d'accord avec souhaiter, vous et ouais. moi pour le point de victoire du Pareil, Real pareil. Madrid. La différence se trouve déjà dans l'effectif. Oui. La qualité offensive, Real Madrid. Personnellement, le Real paraît tough. Et Achad, nous finissons terminer avec l'Espagne. Vous pouvez donner un petit pronostic peut-être pour un match de Ligue des Champions. Oui, Ouais, rapidement, rapidement. Achad. Et nous connaissons l'affiche fort, ce sera Les le premier, Gunners contre les Parisiens. Arsenal contre Paris Saint-Germain, l'affiche fort. Et bien sûr, la semaine prochaine, nous aurons l'occasion, Révin, Oui, bien bien sûr. sûr, jeudi Pour un prochain, match d'Europa League, surtout. d'Europa League. Ouais. Et nous passons en revue aussi Pas la Ligue qu'à des Champions. ignorer l'équipe comme Ouais. ça. Ouais. Et à savoir que Manchester City pour un déplacement sur la pelouse de Slovan Bratislava, Ça banque home. Liverpool Non. pour à la maison contre City Bologne, voyage. City voyage Oh, en fais un Slovaquie, match. Real Madrid pour déplacer sur la pelouse de Lille, nous fait cause parmi ma tête d'affiche là, Oui. hein. Et le Bayer Leverkusen pour accueillir le Milan AC. Oui. Et sinon, Yachad, sa match Aston Villa Bayern Munich qui me dit oh. Bien content, mais envie de penser qu'il y a Aston Villa capable de faire un résultat. Peut-être pas une victoire, Un match mais nul. les cas accrochent Il n'y a pas cause de problème. ouais, les cas même accrochent le Bayern Munich. Me penser, moi, si j'ai un outsider pour tenter la semaine prochaine, Ce sera Aston ce Villa. sera qui me penser dans les 400-500 roupies. À 410 roupies. Ouais. Le match nul, Attention, 360. Le ouais. Bayern à 180 roupies. Aston Villa à la maison, si j'ai un outsider à tenter, hein, Oui. Et me penser Aston Villa. moi, le fait qu'on cause au match au Arsenal Paris, Ouais. Nitish, je me pensais que Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est une autre équipe. Ouais. J'ai l'impression qu'il très souvent on fait une trou ça dans les peut-être 10 dernières années qui dans Ligue 1 je baisse les pieds Ouais, les venir en Ligue des Parisiens Champions, ouais. mais en Ligue des Champions c'est un autre Paris nous fait une trou man résultat qu'il fait contre Barcelone
contre Real, contre City, contre une meilleure équipe européenne, dit tout le temps, là, il m'a très, très, très surpris. Vous trouvez qu'il parie un simple outsider, 450 roupies. Combien? 450 roupies contre Arsenal. Alors, certes, Arsenal reste. Ah, c'est un peu ça en Angleterre. Oui, mais quand même, ça pareil. Ces derniers temps, on était chez une équipe plus présente sur la scène européenne, que de finir plus loin dans une compétition, régulier. qui est régulier, qui est tout le temps là, c'est le pari. Mais toujours Paris, il m'a sorti 5, si vous faites une route. Après Paris Saint-Germain, c'est son entraîneur, Luis Enrique. C'est un fin tacticien. Mais sans doute, ça marche contre City là aussi, il fait une bookmaker aussi. Non, mais moi, honnêtement, le pari à 450 au plus, me très tenté pour faire de ça un single bet. Hein. Oui, oui, un single Paris, bet. Allez, une des outsiders, c'est-à-dire Aston Villa contre Bayern. Mais si maintenant, quoi, ça, jackpot. Paris contre Arsenal, voilà, il y a si, ça. Si, ça, 17 contagnes. Really. Non, nous prenons une super semaine de football oui, qui va être à nous. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission The Footy Show. Et à chaque du final un petit peu en long et en large, et l'émission finale aussi, hein, fin roulée. Oui, merci. Fin roulée. Voilà, nous souhaitons à tous nos fidèles followers un très bon week-end avec beaucoup de match foot à se mettre sous la dent. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Merci, au revoir. We'll be right back.